Je veux te raconter une histoire, mon petit-fils. Mon Dieu! Oh là là! Ah, pardon, s'il te plaît, donne-moi un peu le caïca là-bas. Je vais faire descendre le crachat. Oui, allô? Ben non. Oui, c'est bon, j'ai compris. J'appelais tout à l'heure parce que tu n'as pas répondu. Donc, j'appelais, c'était par rapport à cette histoire des draps-là. Je parie que quand il s'agit des tontines, nous, on règle bien les tontines. Chérie. Me touche comment? Quitte. Oh, tu peux pas me toucher? Tu sens la sueur. Oui, c'est normal. Quitte d'abord sur les draps-là. Ce sont les draps à problème, pardon. C'est comment? Quitte, je te dis, quitte, tu quittes. Tu sens la sueur. Je te jure que quand je médite la parole du Seigneur, ne viens pas pour me toucher comme ça. C'est une gaspille les travaux des gens. Je rentre du boulot, c'est pas vu le matin quand je suis allé au travail. Mais là, il y a quel souci? Quand tu veux me saluer, passe d'abord. Bisous d'abord. Passe, s'il te plaît. Je suis dans les problèmes là. C'est bon. Oui, excusez-moi. C'est l'homme avec qui je suis ici là. Je disais, hein, quand on fait les tontines, je suis à peine à 6 draps. Donc à un moment donné, on était dit c'était 20 draps. Vous trouvez une solution par rapport à ça. J'étais très folle avant de suivre parce que je suis maintenant en crise. Hein. Chérie. Seigneur Jésus, à quoi c'est? Comme ça, tu dors. Tu vois pas que je suis en train de danser. Tu me réveilles, il est quelle heure tu veux demander, je dors. Tu ne peux pas vouloir de moi. Tu as envie de moi par rapport à quoi? Tu es ma femme, là, il paraît que tu es mon mari, non? Tu es le père de mes enfants, il paraît. La rentrée scolaire, c'est donc 2 ou 3 semaines. J'ai crié, ne me touche même pas. La rentrée scolaire, je t'ai demandé l'argent pour les fournitures, 280 000. Tu m'en as appelé ta mère pour dire, maman est en état de santé. Elle t'a dit qu'elle était malade. C'est bon, excuse-moi, elle t'a pas réveillé. Et tu oses me bousculer pour me dire, tu dors. Tu me vois là, je suis où c'est? Quand tu te retournes, elle me flore même pas quand tu dors là. C'est bon, maman, c'est bon. Monsieur, comment ça va pour enlever tes pieds sur la table? Je suis en train de faire un tour au marché. Je m'en vais chercher les feuilles de manioc. Après, là-bas, c'est sûr que je vais durer parce que je vais chez la mère tontine, là, pour les draps. Donc, à tout à l'heure. Il n'y a pas quand même besoin pour toi, chérie. Pardon, je ne suis pas demain. Je n'ai pas le temps pour ça. Oh. Mm-hmm. Oui, allô? Je suis en train d'arriver. D'accord, comme convenu. D'accord, à tout à l'heure. J'aurais un petit problème, là, bisous. Rentrez, s'il vous plaît. Mon Dieu! Madame, rentre. Rentre, viens t'asseoir et après. Monsieur, s'il vous plaît, veuillez rentrer. Ma chérie, rentre. Oh là là! Tu n'enlèves même pas les babouches, hein? C'est pas grave, assieds-toi. J'ai l'habitude de nettoyer. Que tu as emmené dans la maison là, c'est quoi? Je t'ai demandé, celle-là c'est qui? Jusqu'avant, rentrer dans ma maison avec les sachets de pommes, je sais pas, il y a quoi dedans, et elle s'est permis de rentrer avec les babouches dans ma maison que je nettoie. Vous me voulez quoi? J'ai besoin d'une réponse. C'est à toi de répondre. Mais papy, comment tu as fait pour gérer la situation là? Ah, mon petit, c'est pas tout ce qu'il faut dire aux enfants. Bon, je vais aller boire ma bière. Attends, papy. Mais tu as quel âge au juste? Mais c'est quoi ton secret? Mais comment tu as fait pour devenir aussi vieux? Mais tu es toujours en forme. Je te vois souvent à 17h là, tu joues avec les petits, tu souhaites la bouteille de gaz. Mais tu es en forme, papy, c'est quoi le secret? Tu veux mon secret? Tu veux savoir mon secret, comment je fais pour être aussi vieux et toujours en forme? Eh bien, c'est simple. Je ne me suis jamais marié. Non, le papa, il est maudit, quoi. Merci pour l'histoire, le manche. À la prochaine.